Alors, vous savez, toujours pour parler de comportement défensif, quand on dit « oui, mais vous ne pouvez pas expliquer, vous constatez ceci, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. » Vous constatez par exemple qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas, la plupart des femmes n'arrivent pas au-delà d'un certain seuil, un certain niveau. « Oui, mais on ne peut pas expliquer pourquoi, et donc ça doit changer. » Voilà ce qu'on entend. Eh bien, je dis que c'est un pari dangereux et une stratégie dangereuse. Parce que, tôt ou tard, on va essayer d'expliquer et on va arriver à expliquer pourquoi il en est ainsi. Et quand on sera arrivé à l'expliquer, là, il va y avoir un changement brutal dans le statut des femmes qui pourrait se produire dans pas très longtemps. Et donc, elles feraient mieux de ne pas pousser le bouchon trop loin, par des revendications, par des affirmations que le système ne marche pas, que la société ne marche pas, et que normalement elle devrait avoir le même niveau que les hommes, etc. etc. Eh bien, le jour où on aura montré que la société marche très bien, et qu'en réalité c'est comme ça que ça va se passer, eh bien, la situation des femmes ne va pas s'arranger. Alors, pour revenir à la théorie des quatre âges, on en parle, la théorie des quatre âges montre le moment où les hommes ont un ascendant. Il y a des hommes, ce qu'on appellerait le mâle dominant. C'est les âges de 15, pardon, pas de, on peut commencer à 15 ans si vous voulez, enfin 30, 45, 60, 75, pourquoi pas 85. Donc ça, ce sont des âges où les mâles dominants triomphent, l'emportent. Et entre ces âges-là, il y a des âges qui sont, donc ça peut couper en deux, ça fait à peu près 7-8 ans, l'écart, comme ça, et bien à ce moment-là, les femmes peuvent échapper à la gravitation masculine. Mais, de toute façon, les femmes ne sont. La théorie des quatre âges ne concerne pas les femmes, elle les concerne indirectement. Quand les hommes ont moins de gravitation, ça joue sur les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles-mêmes ont ce processus-là. Et donc, par conséquent, voilà un exemple même. Dans la recherche astrologique, qui montre que, de toute façon, les femmes sont là pour graviter autour des hommes, pour choisir, pour focaliser sur certains hommes, et donc, par conséquent, c'est un problème systémique, il faut que les femmes et les hommes aient des positionnements et des profils différents, parce que c'est complémentaire, il y a ceux qui sont élus, et il y a ceux qui sont électeurs, il y a ceux qui produisent, et ceux qui consomment, etc. Les femmes sont du côté du consommateur et de l'électeur et non pas du producteur et de celui qui doit être élu.